dans les secrets cachés d'une vallée silencieuse. Trois voyageurs de l'invisible étaient en excursion vers un rassemblement qui pouvait-on entendre dans les murmures du vent, faisait partie d'un monde parallèle. Le seul moyen d'y arriver était de pagayer à contre-courant sur une rivière connue comme la Voie du Guerrier. S'aventurer sur les voies terrestres était trop incertain pour une excursion de la sorte et ce, malgré l'immense pouvoir de la forêt. On raconte que lorsqu'un guerrier avançait en direction inverse sur un tel cours d'eau, il devait, tout en gardant sa composition, user de la contre-intuition afin de vaincre le courant et ainsi éviter de faire du surplace, ou pire encore, d'être dirigé par une force autre que son soi véritable. En s'approchant du lieu de rassemblement, il devenait indéniable pour les trois guerriers qu'une approche intuitive était la seule façon d'entrer dans ce monde.